Hey, salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Deus Ex Human Revolution. Et est-ce que je peux pirater ce machin? Bah, furtif un peu. Accès autorisé. Tiens, saloperie d'alarme. Oui, on va voir. JFU. Allez, 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 allez. Oh yeah, bitch. C'est bon. Ça peut être trop en haut pied, ok. Chut, chut. Position commerciale confidentielle. Apprends que je dis mes collègues. 47 500 000 crédits sur vos comptes. Sans une facturation abusive suite. Ah, le vieux spam. Je n'ai donc plus aucune place dans mon inventaire. Ya. Ya. Donc, je suis désolé, mais toi, tu vas faire un voyage dans les enfers les plus profondes. Hop. Ça va faire de la place. J'avance doucement. Doucement mais sûrement. Ok. Toi t'es là. Et l'autre est à droite. Et là le souci c'est que le bureau de sécurité est là où je pointe. Et qu'il y a une caméra là. Que là est-ce que si... Demande si... Niveau de sécurité 3 encore. J'avoue que je suis en mode prière. Pitié, 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 pitié. Accès autorisé. Yes. Pitié, ne vous pointez pas maintenant, les mecs. Je vous en conjure. Accès autorisé. Faudrait qu'une une aussi, vous savez, permet désactiver quoi. Genre pas juste désactiver défaut, parce que par exemple, si j'active l'alarme là qui est là. Vous la voyez, mais si un des mecs active l'alarme là, le robot sort. Le souci c'est que s'il sort, je suis dans la merde. Hey! Je me demande s'il n'y a pas moyen de. J'ai peut-être un créneau.
Faut juste Jason qui revienne. Et j'ai peut-être un créneau pour le descendre. De manière à ce que l'autre ne le voit pas, du moins. C'est ça qui est important, parce que... Tu es prêt à mourir? Enfin, à dormir, pardon, vu que je ne tue personne. Absolument personne. Normalement, personne n'est mort jusque depuis le début de l'aventure. Ce qui était le but premier, n'est-ce pas? Merde, l'autre là, dans l'angle, en fait. Réfléchir. Du coup, comme je l'ai violemment manqué, il faut que je trouve un autre moyen d'entrer. Une bouche d'aération, un truc comme ça. Oh là, attendez. J'ai peur qu'il me voie, donc je ferme la porte quand même. Mais avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Là-dedans, il y a une bouche d'aération et on va pouvoir rentrer. Ah, je me souviens que. Ok, faut que je passe là. J'utilise encore un atomizer. Accès autorisé. Parfait. Un vieux PC, j'y crois pas. Le Hollandais. Mauvaise nouvelle, d'après Peng, Windmill leur a glissé entre les doigts. Quelqu'un l'a aidé, ce qui fait que les Easter Eggs cachés à l'intérieur de notre système viennent de passer en tête des menaces de notre sécurité. Rassemble les clips, on va devoir éplucher les listings ligne par ligne pour tous les trouver. Narain. J'avais pas vu ça. Putain, j'ai raté peut-être. Mais t'es sérieux qu'il n'y a aucune bouche d'aération, rien? Tout ça pour apprendre que Van Bruggen leur a filé entre les doigts. T'es pas sérieux? Non, j'ai dû oublier un truc. Déjà, il faut que je fouille ces petites armoires parce que tous les coups, il va y avoir des trucs. Non. Réfléchir, Adran, réfléchir. Faut que je trouve. Il doit y avoir un moyen que j'ai pas vu, que. Non. Est-ce que par hasard ici... Déjà il y a des fléchettes que j'avais oubliées. Bon. Je t'ai donné un truc pas très subtil, n'est-ce pas? Je vais attendre, je vais attendre. On va jouer la prudence. Je vais attendre qu'il s'avance un peu. Quand tu veux.
Il est pas passé par le chemin que j'espérais, à vrai dire. Donc il s'est pris une droite, quoi. Gengel. M'estimer heureux qu'il est un peu bugué. Des sources proches de la multinationale, elle tentait de racheter sa rivale au Tokyo. Non, il reste des marchés cruciaux dont les portes nous ont été fermées. Je vais essayer de trouver, voir s'il n'y a pas des mots de passe qui se baladent, vous voyez, genre histoire de ne pas me casser les couilles à faire du piratage. Wouah! Mais, je sais pas si vous avez vu celui sur Xbox, mais celui sur Xbox, j'avais changé ma biopuce un peu plus tard, ce qui amènera à une conséquence fâcheuse sur un boss. Mais en fait, je suis con parce que même là, j'aurais dû m'en douter, quoi. Putain, en fait, je suis juste débile, quoi. Tiens, l'ordi a été embarqué. Là aussi, là aussi. Là, j'ai déjà fouillé. Voyons voir. Salut YB. J'ai eu une révélation hier soir. Zao veut qu'on augmente la productivité dans l'usine. Pas vrai? Oh la banane. Alors, tiens, je sors et on est dans la ville haute. LOL. C'est chouette, c'est Tai Young Medical. Y a rien quoi, y a que des puces de crédit, y a pas un mot de passe caché quelque part? Un mot de passe. Oh. Le mot de passe pour le bureau de Smith Open Space et le 2967. Non. Bon, tant pis. Zaurun, Zao, Zao Yun Ruseyo. Il doit y avoir un truc caché ici. Oui,
voir. Est-ce que j'ai des augmentations? 2. Allez, c'est parti. On est parti. On va voir où ça me mène. Fait-il? Très sympa le patron de Bell Tower. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain, merde. Plutôt que de les écouter causer. Je disais donc que si j'avais été plus rapide, j'aurais pu tenter un truc un peu plus agressif, un peu plus genre un duo, vous voyez là, pendant qu'ils discutaient, boum boum, les deux ils s'attendaient pas, je les assommais tous les deux. J'aurais pas dû attendre. Mais bon, j'étais interpellé par leur histoire. Bon, en attendant, ils sont morts. Je suis allé un peu plus bourrin, mais ça fait tf, tf. Genre, pas de chance, les gars. PC fermé. Un prime. On a Vegas. Est-ce que j'ai pas un mot de passe pour cet endroit? Non, Scritchy Bash. Dommage. Chef, votre mot de passe de à Narin Khan. Ah bah tiens, j'ai dû foutre ça à clé à Khan. Votre PC est Nemumi. Votre code d'accès est Iron Fist. C'est quoi ce qui t'arrive, Khan? T'étais pas à l'auteur de Adam Johnson? Nemuni, ok, c'est parti. Iron Fist. Nous avons encerclé l'immeuble, mais le sujet nous a échappé. Nana explore une pièce secrète de son appartement et nous attendons ici. Spécimen toujours matériel saisi. D'après nos renseignements, le sujet pourrait s'être réfugié dans les souterrains. Les groupes locaux des triades en seront peut-être plus, en particulier Tang. J'attends vos ordres. Oui, vous avez mon autorisation. Il met en danger tout mon avenir. Trouvez-le et éliminez-le. Z. Ça fait rien, mais une prostituée du Wang Wang Hotel a été plus bavarde. Donc voici le chef de la sécurité de Taeyong Medical. Il a affronté le chef de la sécurité de Saif Industries. Oh putain, c'est vrai qu'ici il y a des caméras partout. Hey, mais. Ah, ça c'est y avoir un PC sécurité quelque part? Attendez, je tente un truc. J'ai pas le code. Merde!
Merde. Oh. Taïo Medical et vous, Osef. C'est tout? Ah ouais. Allez, je vous montre. Vous allez voir, c'est assez. Est-ce que je vous montre? Ouais, allez, je vous montre. C'est pas très discret, mais c'est pratique. Je sais, c'est pas du tout discret en réalité, mais. Non, mais ça, je vous montre parce que je l'avais pas montré. Ok. Si vous voulez me remercier, oubliez que vous avez ma fréquence. J'ai une meilleure idée. Là, je suis en train de consulter ton compte en banque. Tu sais que Sarif te paye pas assez. Van Bruggen. Pas la peine de me remercier. Profite-en bien. Le mec veut m'ajouter 2000 crédits. Il est cool. Ça va, il est fair play, hein. Le mec, je l'ai sauvé et en revanche, il en revanche, bleu. En contrepartie, il m'offre 2000 crédits. Bon, c'est pas magnifique. Ah, par contre, j'ai combien dans les appels chrono? Merde! Je sais pas où j'en suis. Là, si je dis pas de la merde, il va rien m'arriver. Par contre, en haut, ça va être. La redescente va être un peu plus rigolote. Salut. Ok, je peux pas. Allez, oh non, le transfert est trop long. Accès autorisé. Merde. Ce message n'a pas encore été envoyé. Vous m'aviez confié un travail immensément difficile, mais je n'ai pas su vous attendre. Il y a 2 ans, l'Arendo Manufacturing N-Protech et Shilung Protestic étaient de formidables entreprises contrôlant des parts de marché importantes du marché mondial. Désormais, sont tout à moi, à Taiyong Medical. Je sais tout ce que vous je fais. Je sais tout à fait ce que je fais, faites-moi confiance, convoquez une réunion du conseil. D'accord, c'est fait, mais ces mercenaires, ils me font flipper. Windmill at hackernet. Hackernet.net. Je ne sais tout ce que vous savez. Oh! Si vous avez vu la première saison, vous savez ce que c'est. Revue de politique, chapitre K, le cas union, l'année dernière, on va dire. Aujourd'hui, n'oubliez pas d'appuyer sur espace si vous voulez lire. Moi, je lis à ma vitesse.
Je prépare ma sortie, m'en voulez pas. Bon, ben on va rendre visite à Zhao. La Chine à présent. On commence en... J'adore votre appartement. Pitié! Je ne voulais pas! Où est Megan Reed? Reed, je ne sais pas. Vous mentez, Zhao. Vous l'avez enlevé avec son équipe. Je sais que vous essayez de détruire Sarif Industries. Sarif? Et je sais que vous travaillez avec cet enfoiré qui m'a laissé pour mort. Alors, où est Megan? Non, vous vous trompez. Quelqu'un d'autre est derrière tout ça. Et il essaie de m'accuser. On m'a engagé comme vous. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui vaut des milliards de crédits. Et vous croyez que ça me rend intouchable? Mais c'est faux! Ces hommes, ils sont plus puissants que Sarif! Plus puissants que Taeyong! Je ne suis qu'un tout petit pion dans leur plan! De quoi est-ce que vous parlez? Sarif sait. Demandez-lui! Il croyait protéger ses employés avec des GPL intradermiques. Mais ces hommes, ils ont des relations partout! Un coup de fil à Picus et les implants étaient muets! J'ai cru qu'il vous envoyait me tuer. Genre, elle le chauffe pas trop. S'il vous plaît. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez certainement me protéger. Menteuse. J'en suis sûre. Vous pouvez certainement me protéger. Les hommes sous-estiment toujours les femmes. Adam, qu'est-ce qui se passe? L'immeuble entier est en alerte. Une pièce sécurisée. Elle a une pièce sécurisée. Oui, et moi aussi. Oubliez-la pour le moment. Allez au hangar, et vite. Ouais, vous me chaufferez pas les mecs. J'attends un peu qu'il bouge. Ni vu ni connu. Ça c'est fait. Jensen, j'arrive pour te récupérer. T'es encore très loin du hangar? Je fais au plus vite. Bon, ouvre-moi les portes du hangar, sinon je pourrais rien faire pour toi. Ouais Malik, t'inquiète. Je veux dire le petit papier. Merde! Oh merde, le coffre, putain. Donc j'ai deux robots sur la gueule. Procédure de sécurité.
Combien j'ai de grenades UEM? Une. Une seule. Réfléchir. Le PC de sécurité est en haut à gauche. Seulement pour la gauche, faut la droite. Et j'ai plus aucun boost d'énergie, je viens de claquer le dernier. Vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que je fous avec ça? Putain. À moi de laisser dépasser le machin et ensuite je continue, je monte tout en haut et puis c'est gagné. Faut que je fasse attention parce qu'il reste quand même la caméra là-haut et si la caméra me repère, je suis dans la merde. Donc le second robot est loin, ça va. Par contre lui faut qu'il dégage. Les robots ils vont faire la gueule, t'inquiète pas. Plus tard. Merde, je me suis trompé. Accès autorisé. Procédure de sécurité en progrès. Système de sécurité désactivé.
Ah là là. Robot en mousse. Salut. Je fais un petit tour histoire de rien oublier. Ça, je m'en fous. Bon, ben, here we go. Bon, eh bien, vous savez quoi, je vous laisse là, puisqu'on ne se dirige en réalité pas du tout à Détroit. Vous allez très vite vous en rendre compte. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour la suite de Deus Ex Human Revolution. Ciao les gens. On ne va pas à Détroit. Quoi? Direction Montréal. Je t'expliquerai en chemin. T'as intérêt. T'es vraiment sûr de toi? Parce que c'est pas à une petite chaîne locale que tu t'attaques. Zao a parlé d'Elisa et d'un coup de fil à Picus. En toute logique, ça veut dire qu'Elisa Kassan doit être impliquée. Tu crois pas que tu vas un peu loin? La journaliste télé la plus célèbre du monde de mèche avec un groupe de mercenaires? On discutera de ça plus tard. Pose-moi en haut de cette tour. Je me débrouillerai. Jensen, c'est Pritchard. Malik dit que vous voulez savoir où est Elisa Kassan. Si c'est pas trop vous demander. Aucun problème. J'ai piraté leur pare-feu et récupéré une modélisation 3D de la tour. Son bureau, c'est la salle 404. J'y vais tout de suite.